Deux gouttes de vaccin pour être à l'abri de la poliomyélite. Ce 26 octobre, 3000 enfants du quartier Inokwasi-le-Noir ont été vaccinés au cours d'une opération initiée par le Rotary Club de Côte d'Ivoire. Âgés de 0 à 5 ans, ils ont aussi reçu des doses de vitamine A et de déparasitants, pendant que leurs parents étaient sensibilisés à l'hygiène. Ben, au niveau du quartier Kwasi-le-Noir, nous avons des problèmes d'hygiène. Les enfants font beaucoup la diarrhée à cause de l'hygiène et de la malnutrition. Le Rotary International est partenaire du gouvernement ivoirien pour les journées nationales de vaccination contre la polio. Les membres ivoiriens du club participent chaque année à des activités de vaccination dans des quartiers précaires. Nous sommes sur la voie de la certification. Depuis juillet 2011, aucun cas de polio n'a été enregistré dans notre pays. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que tant qu'un seul cas de polio virus sauvage circule dans le monde, cela constitue une menace pour tous les enfants. Maladie invalidante, la polio sévit surtout dans des zones insalubres. Elle est contagieuse et se transmet essentiellement par voie digestive, via la salive ou des aliments contaminés.